quello che stiamo celebrando è proprio l'amicizia italo-francese. Bienvenue sur les mots de notre cher Marco Polo, qui vous invite ce soir à célébrer la sixième édition de notre prix, qui, vous savez, récompense l'écrivain et le traducteur d'un roman italien traduit en langue française. Je voulais dire à quel point nous sommes heureux et fiers d'être avec vous ce soir et d'apporter notre soutien au prix Marco Polo Venise, à qui je souhaite une très longue vie. La traduction, oui, c'est un instrument de paix, mais c'est aussi un domaine de création pure. Nous oublions trop souvent que le traducteur n'est pas seulement l'acteur qui transpose un texte dans une autre langue. C'est le créateur d'un monde qui permet la transposition et la recréation d'un texte dans une autre langue. Nous parlons souvent de la traduction et du couple traducteur-écrivain. Et là, c'est un exemple, là je parle sous le contrôle de l'éditeur, d'un vrai couple, puisque Louise Boudonna a vraiment été la porte-parole, a vraiment été la messagère en France pour trouver une maison d'édition afin de publier son auteur. Louise ha aggiunto un tono, qualche cosa, ed è entrata in questo mondo, anche lei si sente un po' lodoliana, cioè in questo mondo tra la periferia e l'assoluto. C'est toujours la même vie racontée sur un mode différent, et au final, toutes les histoires se valent, car c'est une seule et même histoire, celle du temps qui s'enfuit.